François, nous rejoignons pour nos bulletins sport pour aujourd'hui lundi le 25 mars 2024. Nous commençons avec bonne nouvelle nationale par l'habitude. Sunrise y connaît une autre victoire dans la Ligue Beach Soccer. Sa victoire garde le bon semaine pour la guerre titre Ligue pour sa saison. Dans un match pour le week-end, il fait victoire 9-2, l'ON bonne l'équipe favori pour sa titre Ligue aussi. Ça c'est l'équipe Club Storm Ithaca. De sa match, Eric Cado il score 3 fois pour être l'équipe sortie Norma et sortie vainqueur. Jade Boniface, il y en a un bon détail. Bounet, quelque chose qui commence à souffler entre sa deux équipes, Short Daniel et sa paron, il passe à 10 par là-haut. Mais de suite, Sunrise, il tente à zoter sans sa zoter aussi, laisser les gens, il finit dehors. C'est Sunrise qui prend part décisive de 8e minute. L'air qui passe à Sylvio Alivon, 10 bon pour Eric Cado, qui met Sunrise 1-0 devant. Mais Storm Ithaca, il remet quelque chose égal seconde à 10 avant sa première tiers terminée. Le joli shot par Jonathan Magritte pour faire sa première tiers termine NLON. Le deuxième tiers, quelque chose, il restait balancé entre sa deux équipes. La tête Eric Cado, il finit droite de la même goalkeeper Jibel. Mais de 4e minute, Esparon, il score pour donner Storm Ithaca l'avance DN. De 7e minute, Magritte il fait un vilain faute à Robinson Cado. La Sunrise il gagne un penalty. Remplaçant Leroy Belui, il bat le goalkeeper du Bel d'un goal et remet sa match égal de partout. Mais c'est Sunrise qui pour prendre un peu contrôle la résistance à la deuxième tiers. Là dans l'espace 2 minutes, ils ont score 2 goals. D'abord par Belui pour faire score arrive à 3 l'OD. Et Eric Cadoli, il fait score arrive à 4D. Mais seconde plus tard, Eric Cado il complète son hat-trick. Là qui score pour mettre Sunrise à 5D devant. Mais Sunrise, pas encore 10 autres derrière moi de sa entière. Seulement 23 secondes restées pour jouer. Silvio Estico, il fait score final 6 à l'OD pour Sunrise. Ça se dit aussi score final à sa deuxième entière. La dernière tiers, c'est Sunrise qui totalement domine quelque chose. Radigon, il met Sunrise à 7D devant Bonnet de sa troisième tiers. Radigon il score encore 2 minutes plus tard pour mettre Sunrise à 8D devant. C'est Robinson Cado qui confirme la victoire 9D pour l'équipe Sunrise de bonne dernière seconde. Paris ou aujourd'hui, Sunrise, Paris tout game nous prend positif. Nous venons nous au résultat qui positif pour l'équipe par contre. Elle est match viré. Mais si je peux un petit peu la préparation, nous, Sunrise, mal commencé le côté préparation avec commencement saison. Ça y est, un petit peu, nous avons besoin de travail. La plupart du temps, nous pouvons forcer 5 joueurs. Seulement, là où on perd 5 joueurs pour train, là où on perd 10 matchs, pas ça qui l'esquise. Sunrise est un team, on suppose capable d'en jouer pour jouer. Seulement, aujourd'hui, je remercie mon équipe. En effet, je remercie Stormy aussi pour son match qui tenait un commencement, tenait une bonne résistance. Après, on va nous un petit peu plus match dans ce qui est qui nous gagne ce match. Je vais faciliter mon bon joueur pour descendre, pour venir jouer à la game. C'est un bon petit, avec une majorité, nous bon joueur qui est national team qui parle là. Si nous avons postponé la game, s'il vous plaît, bon pour nous, tu as la force par exemple, on veut dire. Mais il est quand même indécent, on félicite les autres et on va y arriver, mais on va rendre l'équipe, on va faire l'équipe balancée. Tommy là, il a la force, il est venu à cause. Il a gagné sa game aujourd'hui, il est un peu mal comme si pour nous, pour saison, mais c'est mal lui-même, nous avons besoin de récupérer, nous n'avons pas soif.
La bicyclette, c'est Jean-Yves Suave qui vainquait première compétition contre la montre individuelle qui t'y fait hier beau matin. Bon cycliste, tient en 13 km pour faire et je t'y fais départ au chaiement, vie côté porte, redescend pour le fini côté commencé. Le temps Suave, c'est 17 minutes 43 secondes. Sa cycliste Vélo Club de l'Ouest, team bat cycliste Northern Coast Riders, Mario Enesta, qui est fini avec le temps 18 minutes 7 secondes. Et troisième position, c'est pour l'autre cycliste Vélo Club de l'Ouest, Jadel Gabriel, qui sont les temps 18 minutes 22 secondes. Ça t'y 39 secondes en retard derrière avec Suave. Mais il y a l'équipe dans sa côte la montée individuelle, c'est Vélo Club de l'Ouest, avec total 55 plutôt minutes 17 secondes. Zot bat NCR par 2 minutes 31 secondes. Et troisième, l'Académie Vélo Club de l'Ouest. Pour l'autre saison, nouveau saison hockey qui démarre samedi avec compétition Curtain Raiser. La tienne de l'équipe qui participe et joue à travers des legs contre camarades pour gagner un vecteur. En ce bois, Forever pour remporter sa compétition avec score 12 low 8, low aggregate et Yuribika. Il y en a un bon détail. T'as de l'équipe qui tu peux faire face contre camarades de sa tournée Curtain Raiser, si plaisance de vous et en ce bois, Forever. Ça dit l'équipe qui vous besoin jouer des matchs 20 minutes chacun pour connaître avec elle. Là des premiers matchs, c'est Plaisance qui prend un peu contre sa match. Là de sa première moitié 10 minutes jouées, des goals par Simon Lagrenade et qu'un goal par Michael Leon, qui fait les autres finir sa première moitié devant, le score 3-1. La deuxième moitié, là l'équipe Osbaldo qui sort avec plus de détermination, goal par Clint Naiken, Giovanni Dodin et Ashley Missar, qui met le match égal 4 partout. Mais Plaisance qui tire devant pour la majorité de sa match, pas tirer ses bras tomber. Là, Vengeant pour score goal la victoire pour Plaisance de sa premier match, qui termine le score 5-4. Le deuxième match, la score qui pour continuer à gagner ajouté, qui veut dire la sa qui score plus goal de sa deuxième match, qui pour vaincre contre Nuiseur. De sa deuxième match, la tire domination totale par l'équipe Osbaldo Forever. La 3 goals par joueur remarquable de sa un match d'Ilen et 4 goals par Giovanni et Clint pour faire sa première 10 minutes de jeu finit 5-0 de faveur à l'équipe Osvaldo Forever qui tient passe devant le score à sa moment. De sa dernière 10 minutes de jeu, la salle équipe de Blanc et Blé qui reste concentré des autres façons de jouer même si joueur plaisant sa event qui score 2 fois pour se aider son équipe mais pas assez. Là, l'équipe Osbaldo qui score encore 3 fois pour faire sa match termine le score 8-3 et 12-8 le aggregate. Ça un petit pause que nous avons gagné, nous avons pu jouer. Mais, nous avons donné même, si nous avons tapé même encore un nos skills que nous traînons tout le temps avec. Nous avons bien performé. Ça l'année, nous avons pu imaginer taper tout pour tout, faire un bon résultat. À cause de l'année passée, malgré que tu n'as pas trop bonne activité que tu peux faire, c'est moi. Un petit peu jouer nous. Si ça l'en est, nous pouvons imaginer retourner back on course, faire tout bon jouer, faire si tout bon jouer, y arriver, quand jouer. Pas mal, regarde. C'est l'étape star avec le avec training aussi, parfois, nous commençons jeune ensemble. Chairman Fédération Hockey Cécile, Georges Sikobo, qui aussi présente sa de l'équipe et cette uniforme qu'ils ont gagné avec le comité olympique. Et qui aussi présente certificat avec meilleur joueur hockey pour l'année 2023, Michael Leon. Ouais, c'est moi pour moi-même. En même temps, c'est moi aussi qui nous a vraiment. C'est moi qui tout pour autres même. Décision, pour respecter. Je me suis demandé de la bonne zone. Tu as voulu gagner ça pour nous. Tu as voulu pour autres, pour une de hockey. Je me suis dit, ok, on a gagné la réponse. Tu sais, développer ça, update, mettre l'amour en place. Wrap up, on a pour Zézé travailler là-dedans. Pas seulement tout seul.
Trésorier Fédération Hockey Cécile, Jeffrey Lagrenade, il confirme qu'il travaille bien progressé pour nouveau la plaine hockey qui peut situer dans nord. Il aussi donne nous plus d'informations le plan sa fédération pour de sa l'année. Pour nos premières saisons, je crois que c'est bien. C'est vraiment l'autre team pas venir, mais c'est vraiment qu'on est guetté au niveau pas trop mal. C'est vraiment qu'on est va faire des autres compétitions qui peuvent venir. Nous voyons l'autre puis niveau hockey un petit peu plus avancé. Fédération hockey, il y en a un calendrier. Un calendrier, nous avons une compétition pour Banzen. Des semaines passées, on fait Jamboree pour Banzen, après on fait compétition pour Banzen. Nous constatons beaucoup l'eau des cours pour la relève. Mais pour Benadir, nous avons différentes compétitions qui nous pouvons organiser. Puis c'est moi, nous, c'est le problème, c'est que nous n'avons pas un venue qui appelle pour nous. Et quand nous gagnons un sens, faire une petite compétition, par exemple, nous gagnons un sens pour faire les dans le gym, ok, normalement, nous faisons le rap de présence. C'est moi, nous startons ça l'année, c'est nous pour Adam District. Ok, par exemple, soit le plaisance, après, nous avons des autres districts que nous sommes capables d'aller pour attester les gens à nous peser. Après ça va gagner attaque avec hockey. Mais c'est moi aussi l'autre chose qui nous pour nous des années nous finis gagner alors qui était là pour persévérance et nous très optimistique qui très bientôt qui va là d'ici la fin de l'année ça bonne année prochaine nous pour gagner nous la peine. Fédération internationale une finie pour mettre nous pour sponsor nous un terrain artificiel un terrain standard et nous espérons le gouvernement pour capable de nous compléter sa lot de tasse. C'est parce que nous arrivons avec ça la plaine là, nous avons déjà fini de nettoyer. Qui nous espère, nous espère un document sorti de la Fédération internationale pour comme quoi nous pouvons commettre, après nous avons besoin d'un letter of commitment et très bientôt nous pouvons gagner d'avant ce qui peut venir. Et once que nous gagnons ça, nous allons présenter avec l'autorité. Pour qui essaye, puis d'achat essaye, et là, on n'a pas plus de vent. Il y a une action football demain dans la Ligue 1, Belaza, pour rencontrer Moucha, AstroTurf, 6h du soir, et puis aussi un match Champions League, côte Montfleury, pour rencontrer Real Madrid, 6h, Stade Populaire. Et voilà, ça aussi nous mène à la fin de nos bulletins sport pour aujourd'hui. Merci pour suivre et bonne continuation de compagnie SBC.